Ouais, donc Bezrat Hashem, on continue les Ilchot Birkat Haperot, on en est au Siman Resh Tet Vav, Aniyat Amen, Achar Abrachot, ou Bodalet Seifim. Alors on commence le Seif Aleph. Le Shulchan Aruch nous dit comme ça. En one Amen, Achar Birkotav, Ela Achar Shte Brachot, Oyoter, Shem Sof Birachot. Jamais on ne doit répondre Amen après sa propre bracha, à part après un enchaînement de deux brachot ou plus qui représente la fin d'une série de brachot, comme on va expliquer tout de suite. Venagula amen achar yaleluha. On a l'habitude, nous dit le Shulchan Aruch, de répondre amen après yaleluha, donc dans le hallel. Veachar ishtabach, et après ishtabach, parce que finalement il y a une bracha avant le hallel et une bracha à la fin du hallel, donc c'est deux brachot qui sont juxtaposées. On termine un inyan, on répond amen à la fin de la deuxième bracha. Ishtabar, pareil. Il y a Baruch Shamar, il y a Ishtabar. On termine un inyan, on répond amen après la deuxième bracha. Le Rama, il n'est pas d'accord avec ça. Il te dit que Veyeshomrim, She'en onim amen rak achar birkat bonei Yerushalayim et birkat Amazon. Le seul endroit où on répond amen, nous dit le Rama, c'est seulement après, dans birkat Amazon, après la bracha de bonei Yerushalayim. Minak Pashu Bemjinot Elu. V'en comme ça le Minak Ashkenaz. Que c'est seulement dans Birkat Amazon, après la série des trois premières brachot du Birkat Amazon, on dit Bonne Yerushalayim, on répond Amen, parce que finalement là on termine une série de brachot de Horaïta, comme ça le Pishtamura va expliquer. Pareil aussi, juste à la fin du Kriyat Shema du soir. Shomer Amo Yisrael Laad, on répond aussi Amen. La même chose, c'est comme ça que les Sfaradim d'ailleurs ont l'habitude. Voilà, ça c'est le Seif Aleph. Nous dit le Mishnah Brura, Achar Birkotav, c'est le Mar, Achar Kol Bracha Miyuchelet, Shumevarech, ou Afilu Achar Shte Brachot, Kol Shenam Sium Brachot. Donc même après deux brachot, si ça ne représente pas la fin d'une série, on ne répond pas Amen après la bracha, En One Beatzmo Acharem Amen. Bien entendu, les autres vont répondre Amen, mais lui-même ne répondra pas Amen après sa propre bracha. Puisqu'il y a marqué dans la Gemara que Kol One Amen Achar Birkotav, Arezeh Megune. Il y a quelque chose de pas bien de répondre amen après ses propres brachot. Vine, milashon agmara mashma de loa sabaz e issur. Ragdeumegune. C'est vrai que milashon de l'agmara, ça, on a l'impression que c'est pas grave d'avoir fait ça, c'est juste pas bien, c'est megune comme la chambre de l'agmara. En réalité, c'est quand qu'on considère que c'est pas issur, c'est quand ça fait pas, ça, il y a pas eu d'efsek. Vine mile de loa sabaz e efsek, aval imberach alezé d'avoir mitzvah. Si par exemple il a fait la bracha sur quelque chose, sur une mitzvah ou sur une birkat hananim, mais il a répondu amen, il a aussi fait un issur. Il a fait un efsek b'davracha l'auto davar, à sa issur bezev, il doit même carrément recommencer la bracha. Donc on avait dit que c'est seulement quand il fait sauf brachot, ça veut dire la fin d'une série, moi j'expliquais. Aïnou achar birkat, shomer tamo israel ad, par exemple après shomer tamo israel ad, ou après apure sukkah, shalom, dans le Shabbat, shomrim be Shabbat, qui représente la fin des brachot de Kriyat Shema, ou alors Achar Birkat Bonei Yerushalayim, qui est la fin des trois brachot de Horaïta du Birkat Amazon. Shugmar Shalosh Brachot Rishonot Shem Min HaTorah, velo Achar Brachot Rishonot de Arvit de Shacharit, par contre pas après Ahavat Olam, etc., les brachot Rishonot de Arvit ou de Shacharit, parce que c'est bien que c'est vrai que c'est deux brachot, mais ce n'est pas la fin d'un inyan, et le Amen, L'eau chayach et la bigmar vesilou kainyan. Ce amen-là, on le dit qu'à la fin d'un inyan. Alors, il explique le charatsioun. Bête. C'était sur l'avant même, carrément. Ve'im ana az amen achar bracha shose ish acher. Tablou be puta im sech lachazor levarach la taf be diavad im sech lachazor levarach ou l'angan avon tsarich an isham previgadim. Quelqu'un qui répondrait amen sur la bracha d'un autre, alors là, ça va dépendre d'une marque entre le Taz et le Magen Abraham. Est-ce que il y a en effet dans ce cas-là une interruption et qui doit recommencer, ça lui pose un problème par rapport à sa bracha. D'après le Taz, non. D'après le Magen Abraham, oui. On continue le Mishnah Moura, Siv Katan Gimel. Ve'afalgav de en onim amen achar atzmo ela davka achar shtei brachot smuchot. Donc, même si c'est vrai que normalement on ne répond amen qu'après deux brachot smuchot, il y a le lucha. C'est considéré que c'est smucha la bracha rishona. Il y a le lucha, smucha le bracha shifne alel. Ishtabar, c'est smucha au baruch shamar. Puisqu'après, on n'a pas le droit de s'interrompre et de discuter entre baruch shamar et ishtabar. Ou ben bracha shifne alel, il y a le lucha.
Tu dis moi qu'on dit au milieu, c'est pas un efsek. Machenken la bracha chrona qui a pris les birkat hanehanim. Tu peux pas dire que c'est smoucha la bracha rishona, puisque tu as le droit de parler entre la bracha rishona que tu fais sur un aliment et la bracha acharona que tu fais sur un aliment. Donc tu peux pas dire qu'il y a une série ici. La fagav de ikagam ken chte brachot, achad efanea ve achad acharea, kevan che enzu ela achad achiza im bracha rishona, en la achiza im bracha rishona, chari rachai la sikwe d'aber ben teima shacha bracha rishona, le ben bracha chrona, avi bracha chrona ki bracha miyuchadet, je considère que la bracha chrona, elle est indépendante. En réalité, il a le droit de parler entre le moment où il a fait la bracha rishona et la bracha chrona. Bonne Yerushalayim, il explique le Mishamorim Peneshi Usof, brachot, Shem Doraita, il termine la fin des brachot de Oraita. Birkatatov c'est une bracha de Rabanan. Ou kede le har'ot shechilu kesh le kachonim acharaya amen. C'est pour ça que le Rama est d'accord que dans ce cas-là, on répondra amen pour montrer qu'il y a bien une différence entre les brachot de Oraita et les brachot de Rabanan. Shomer Amo, il te dit aval en onim achar yiruenenu shemevarer beatzmo, c'est une bracha de yiruenenu que certains ont l'habitude de faire. Qui est ma chère libre qu'elle crée schéma, vous avez bracha miyuchedet, donc on ne fait pas de, on ne répond pas amen à cette bracha là. Seif bet, nous dit le Shulchan Aruch, Hashomea echad mi Israël mevarer achar achad mi kol ha brachot, quelqu'un qui entend, quelqu'un qui fait une bracha, afal pi shelo shama kula, même si c'est vrai qu'il n'a pas entendu la bracha mitrilata ve atzofa du début à la fin, afal pi shelo chayav beota bracha, même si lui il n'est pas concerné, il n'a pas besoin de s'acquitter de cette bracha là, il répond amen quand même. Chayav la not acharav amen. Il a l'obligation de répondre amen après cette bracha-là. Aval imaya mevarech apikoros okutiotinok. Mais par contre, si celui qui fait la bracha, c'était un apikoros, un apikoros, ou alors un goy, ou alors un enfant. On va expliquer exactement c'est quoi le cas de l'enfant. Ou alors ayagadol veshina bematbea brachos. C'était un grand, mais il a changé le texte de la bracha. Alors là, on ne répondra pas après sa bracha amen. En onim acharav amen. Il dit le Rama, Ve'onim amen achar ovedat oved kochavim im shama kol habracha. Puis si on a entendu toute la bracha du goy, on a vu qu'il a effectivement fait la bracha envers Hachem. Alors là, on pourra répondre même à la bracha d'un goy. Nous dit le Mishamura, lo shama kula et la shama rak chez maskir Hachem. Il a juste entendu qu'il mentionnait le nom d'Hachem. Besov bracha et la fin de la bracha pour pouvoir répondre amen. Donc dans ce cas-là, chayav la note amen acharav. Dans ce cas-là, il a l'obligation de répondre amen. Mais je pense qu'il nous dit le Mishnah Berurah, d'afilu le shamar rachatimat brachat tzirkan tamen, même si t'as pas entendu le nom d'Hachem. Il y en a qui pensent, Rashi, Orzaru, Abartenu, Rashtam, Koubetset, que tu dois répondre Amen si tu as entendu la fin du sujet. Il rapporte dans le Sharatsiyun que le Riyaz dans Perek Shlosha chez Achlu, ou Mashma de Uzbirale, afilu le shamar klal la bracha batzmo, gam ken mutar la note, il a le droit de répondre, même s'il n'a pas du tout entendu la bracha, il a entendu juste des gens qui répondent, et il a le droit de répondre. Ayan Bechayadam, Shirchia, Dafilou de Arishona, Moda, en réalité, même le premier avis, il est d'accord avec ça, que lorsqu'on sait Ezebracha ou Oné, c'est la note, comme c'est marqué dans Simon Koufra d'Aletz Yifret. Afalpiche no Chayav Rotzeloma, Bechol Shekenechashu Atzmo Chayav Bota Bracha Verotzelatzel Bebirkatamevarech, Bevadai Chayav la Anot Amen. Il te dit que, à plus forte raison, lorsque lui-même, il a l'obligation et il veut s'acquitter de cette bracha-là. C'est clair qu'il a l'obligation de répondre amen pour montrer qu'il renforce les choses et qu'il va s'acquitter de cette bracha-là. Le roche et gam ou mechadek ou mekavim divra mevrer. Achen, az, ba'inan dafka shishma kol bracha. Dans un cas où il veut s'acquitter, bien entendu, il aura l'obligation d'écouter toute la bracha du début jusqu'à la fin. Mais trilavadasaf, comme c'est marqué dans le Rashi Gimel, c'est Gimel. Chayav la anot, dirtiv ki shema shemekra vu godel lokenu. Ramim aura appris dans ma Shoma que Amar la en Moshe de Israël. Shani mevarech umazkir shem Hashem itbarach, atem avu godel elokeinu b'inyan amen, vous aussi répondez amen, et donc donnez et louez et grandissez le nom d'Hashem. Acharav amen, il y a marqué dans le Midrash, kishishomea shechad mitpalel davar o mevarech l'Israël afilu, belo askarat Hashem. J'entends quelqu'un qui fait une bénédiction, qui bénit quelqu'un, chayav la not amen, tu as l'obligation de répondre amen. C'est pour ça que mitpashet aminak, shonim amen, acharav rachman, birkat amazon. C'est vrai qu'il y a le minhag aussi de répondre Amen après la Rachaman, puisqu'effectivement, on fait une tfila, donc c'est bien de répondre Amen. Aval Imaya, il y a marqué dans le Shulchan Aruch que si c'est un apikoros, un kouti ou un tinok, alors il te dit, du fait qu'on a mis le apikoros et le kouti avec le tinok et le gadol qui a transformé le texte de la bracha,
Mashma de Khaladina Itlu, Mashma, que c'est le même din. De la même façon que Betinov et Gadol Shechina, Mashma, Afilu, Shama, que la bracha, même PM, Loyane, Amen. Mashma, que même s'il a entendu toute la bracha, il ne répondra pas Amen, puisque la bracha, elle est en soi, levatala. Pareil aussi, la pique c'est le kouti. On avait dit, ça va être une chète. Non, y a pas un spécial. Véafalgal de Bagmaramrinan chez Af Bekuti Onim Im Shama Kolabrachami Piv, même si c'est vrai qu'il y a marqué dans la Gemara qu'on peut répondre Amen, on doit répondre Amen, on répond Amen après la bracha d'un goy si on l'a entendu entièrement. Aïnou Kodem chez Matsoulaim Dumut Yona Bergrizim chez Yodim là. Avant qu'ils se rendent compte que les Koutim vis-à-vis d'Adara avec ce fameux pigeon là-bas. Mais après cela, Avalachar Karlo. Puisque en réalité, eux, quand ils disent Hachem, ils ont leur Kavana, leur Avodavara, des Kavanatam, leur Grisim, un Picoros aussi, en Kavanatolashamaim, et la Lavodat Gilulim, le grave est Bureau Passag, des Bélois Shnaim, il me chama Kolabracham, puis on est à Kharev, Amen, que dans le cas du Apikoros et du Kouti, si on a entendu la bracha entièrement de leur bouche, on pourra répondre Amen. Alors, il dit dans le Sharatsiun Tet, alors, l'Inyan Oved Gilulim, concernant un Goy, donc là, on avait parlé du Kouti, maintenant pour le Goy, il y a une machloket, yesh deot, beshitat Rambam, dans la vie du Rambam. Yesh des virales où certains pensent, des virales et la Rambam de Oved Gilulim, dino kekuti, que le goy, il a le même statut que le kuti. Yesh des virales où de Rambam modé beakum, de oné acharav. Le Rambam est d'accord qu'on peut répondre après un goy. Le rabbin éprouve du Purusha Mishnah Shelo, des virales où de Oved Gilulim, dino kekuti. Mais comme les dinan, il y a Tarama, que Moshe Katati Bebur Alakha, et Bemet, qu'on a le droit de répondre après un goy. Continue Mishnah Moura, Veshina. Donc, Davka Kshéchina Beofen de Loyat Sababra Khamadze. Quand il a fait une transformation qui rend la bracha non valide, et qu'il ne peut plus accepter cette bracha-là, donc, Veareoum Evarech Mokhale Batala Dasuran Tachavamet. Parce qu'il te dit le charasioun de Beofen de Yatsa, qui gonche l'eau qui sera d'varim chez Mikara Bracha, qui est l'émission de Kusamer. Alors là, il va d'être certain d'amen, c'est clair qu'il faut répondre amen. Continue, Mishnah Moura, il nous dit Shama kola bracha chez en derech Aoved Gilulim, le Chaven Aoved Gilulim, chez Maskir Hashem. S'il parle d'Hashem, un goy, il n'a pas l'intention de servir d'Avara. S'il dit le Baruchata Hashem, il a l'intention de bénir Hashem. Pareil aussi, Mishishama Mechat chez Mir Dato l'Avodat Gilulim. Mais comment comme datata, t'es un alav riouv la note bac, on t'es pas obligé de répondre, c'est juste un reshoot. Alors il dit le charasioun une bête, kema chino adoug la wadad giloulim, ba yin besiman bivu ala khadir shikadvan. Ok. Donc on continue le Shulchan Aruch, c'est if gimel. Nous dit le Shulchan Aruch dans le if gimel. Ve a de en onim amen achar tinok, ce qui a marqué qu'on vient de dire à l'instant qu'on ne répond pas amen. Après un enfant qui fait une bénédiction, alors là, ça va dépendre. Davka, Bécha, Shelomed, Abrachot, Ifnerabo, c'est quand il n'est pas en train de faire de Brachot pour s'en acquitter, mais il est en train d'apprendre les Brachot devant son rave. Donc, chez Moutarle, la Med Latino, quand t'as Brachot, Ketikunan, ne va pas le piche, mais va crime le Batala, même si le fond de Batala, c'est pour leur apprendre. Béchat, Limoud, Aval, Bécha, donc là, tu répondras pas Amen, effectivement. Mais s'ils font une Bracha pour vraiment s'en acquitter, Aval, Bécha, chez Mevachim, Modif, Toretatma, puisqu'ils sont bnechinouk, alors on y va Amen. Pareil aussi, Béchaa, chez Omri, Maftara, Bebetaknesset, on répond aussi après eux, Amen. Alors, il dit le Mishnah, Brura, c'est le Katanel Gimel, Otselomar, de en chayach lomar, Amen, le Hamet, ou le Kemet, divra mevrech, achre, de en chambracha, de en chambrachalia. Quand il apprend, c'est pas vraiment une bracha, donc il n'y a pas de réponse Amen à avoir. Il n'y a rien à valider, puisqu'ils sont juste en train d'apprendre, c'est de la technique. Les Vatala, le brave est en train de leur enseigner les brachot alors que le temps n'en est pas arrivé. On a le droit de mentionner le nom d'Hachem. Même le rave lui-même a le droit de mentionner le nom d'Hachem pour enseigner les brachot. C'est dans le cadre d'un enseignement. Et il te dit ici. Share al kochach obligé de passer par cette case-là pour leur apprendre. Pour qu'ils puissent accomplir la Torah et les mitzvot. Mais davka im atinok mutar seulement avec le tinok. Aval gadol bechah shelo medabrachot bagmara.
Omer Beloas Karatachem, un grand, lorsqu'il apprend et qu'il est en train d'étudier des brachot dans la Gemara, par exemple, il ne dira pas le nom d'Hachem. Rak shelomed psukim aniskarim be Talmud, rachai le omran. Quand tu dis des psukim qui sont dans le Talmud, tu peux le dire. Kemoshem ktuvim imaskarat Hachem. Alors, Leftor, qui continue vers les brachot, bismanan derechinour. Donc, si un enfant il est en train de faire les brachot en son temps, il mange quelque chose, il fait une bracha, etc. Il le fait dans le cadre de leur chinour. Alors là, oui, derechinourem. Machma dal bracha, shem ver lachila. Vechia gavna, kodem shigia lechinour, machma koshi, jamais ils font la bracha sur quelque chose avant qu'ils sont arrivés à l'âge du chinour. Et la note à la chérame, on ne répondra pas, mais. Shomri maftara, ou selomar, chez Az. Corinne Batora ou Banvim, Bakin Ifnem ou Lachem, c'est là, Amen. Allez. Donc, on continue le dernier Seif, Seif Dalet. Vous dites le Shulchan Aruch. Kolam Varer Bracha Shenatzricha. Une personne qui fait une bracha qui n'est pas nécessaire. Donc, c'est une bracha Levatala. C'est un Rezeno Seishem Shamaim Lachav. Il prononce le nom de Dieu en vain. C'est comme quelqu'un qui jurait de manière inutile. Assur la nota on n'a pas le droit de répondre après ça. Amen. Nous dit le Mishnah Berurah, c'est quoi l'exemple de quelqu'un qui fait une bracha chez Natsricha? Par exemple, il y a des choses qui ont déjà été. Il est en pleine Seouda. Il a fait la bracha de Hamotzi, la bracha de Hamotzi lui a quitté de tout. C'est une bracha qui n'est pas nécessaire. Même si maintenant la bracha n'était pas levatala, ça peut arriver des cas où la bracha n'est pas exactement levatala, mais ça s'appelle quand même une bracha chez Ena Tzricha, par exemple. Il a la table qui est dressée devant lui. Il a l'intention de faire netilat yadayim et de manger. Et juste avant Netila, il prend Mevarech Alvarim chez Dato le Ochlam Betoka Seuda, des choses qu'il a l'intention de manger dans le cadre de son repas. Il veut le manger avant Netila. Et donc, il fera la bracha pour ça. Gamze Asur, c'est aussi interdit, puisqu'il est Gorem Bracha chez Natsricha. Il n'a pas le droit de faire une chose pareille. Il dit dans le Sharatsin Yud Gim, Yud Chet, Magan Avraham, Sion Rechud Alef, Sif Katan Tet, Ouadin, Imish Lefanav Shne Dvarim, Shia Kole Potram Bracha, pareil, deux choses qui peuvent rendre pas tout avec une bracha. Et lui, il fait une bracha sur chacun d'entre eux. C'est bracha chez Natsricha. Les kol sheken chez Mafsik ben bracha le asia al fachredon, s'il fait une interruption entre la bracha et l'accomplissement, il fait des gorem, des titvatel, la bracha rishona les gamre, bevadaya sou. Ayen bisiman memva, be mishna bura se kanyu dal, ben gamre bisiman ze, ben yon ashtamat me brachot be shabbat. Ne pas rentrer en problème de bracha chez Natsricha pour compléter les 100 brachot du shabbat. La chavre, c'est l'omar, av chez ou mevarech. Que Seder même si lui il fait la bracha normalement en louant Kadosh Baruch Hu, puisque c'est pas nécessaire donc c'est considéré comme inutile. Mais quand chacun il tam de prononcer le nom d'Hashem, ma plus grande shalom, lav davka Shem shel arba'otiot ou adim shara Hashemot qui donne bien qu'un bichlal isouva. Les autres noms d'Hashem aussi font partie de cette interdiction là. Pareil, il a dit aussi en français, ou il a prononcé le nom divin aussi en français, etc. Pas pour louer à Kadosh Baruch Hu, il y a aussi un issou. Le rabbin, il rapporte le nom du Sefer Chassid, Im Tishma Shechaverha Maskir Hashem. Si tu entends que ton ami prononce le nom d'Hashem, Alti Kanes Tordvarav, ne l'interromps pas en lui disant fais-moi ci et ça. Il va être solitaire pour t'écouter. Et tu vas entraîner qu'à cause de toi, il va faire une bracha Shem Shamayim Levatala. Par contre, si tu l'as entendu qu'il a prononcé le nom d'Hachem avec l'intention de maudire quelqu'un, interromps-le parce que qui est rétaché, lorsqu'il va dire, il est en train de fauter, c'est un fauteur de fait, le fait de maudire. Donc en tout cas, on avait dit que c'est considéré comme Nishba Lashav. Alors quelle est la gravité de cette chose-là? Est-ce que c'est un issur de Oraita, c'est un issur de Rabbanan? Il nous dit Mishnah Berurah. Ou la chaîne Rambam, ça en fait finalement c'est la chaîne du Rambam, de dire qu'il est comme si qu'il jurait en vain. Et c'est encore, il est aussi marqué dans la Gemara que quand même, va bracha chez Natsricha, ou même Shumlo Tissa et Hachem. Mais comme on a comme date Kamar, Rishonim, que ce issur de bracha chez Natsricha, c'est un issur de Rabbanan.
Ça fait partie de la Yirat Shamaï. Donc, quand quelqu'un qui dit nom d'Hachem Stam, il montre quelque chose qui est anti-Yirat Shamaï. Avant le Levatala, de ne pas le prononcer en vain. Mais Kol Makom. Ben Edat Rambam, Ben Echara Poskim. Que ce soit d'après l'avis du Rambam, ou que ce soit d'après l'avis des autres Poskim, si jamais il a un doute sur une bracha, est-ce qu'il l'a faite ou pas? Si c'est quelque chose qui est d'Oraïta, il croit vers Mbarer. Si c'est quelque chose de la banane, il va vers Mbarer. Machamami Kamachronim. Des Issour, Yesh Badavar, la Revolver. Il y a même carrément un Issour que de faire la bracha. Il dit dans le Sharatzion, Chafalef, Aïe, mais Gadim, mais petit chat, mais Chalem, mais Chalem, et Benishmat Adam, mais mettre machin, mais quand même, parce qu'il me dèche, Issour Badavar, et Nirali Atam, Mishum de la Semkwa Davar, Alotissa, Allah Vazé, Chamir Mishar Lavi, on sait comment ça se joue, Rashiv La, Begodel Khumra, qui Chayv écrit tout ou mitot Beddin, c'est considéré, ce lave-là de l'Otissa, c'est considéré comme un Chayv Karet, pratiquement. וגם גודל עונשיים שם בגמרא לקח אפילו ספקה חמור משאר ספקי דרבנן וסולחים בספק מפורט מתמחמיר, לא ספק. כתבו אחרונים, דאפילו יש ספק ספקה להצחיר ברכה, מם סי ג'מי יא ספק ספקה פור אסקו תחייב ג'ין ברכה ופאה, דונק דוד דדים פוזר תחייב אל הברכה, אין צד קונטר. כגון ספק אכל כזית או לא, אילא ענדות שלה מוז'ן כזית ופאה. Et même si tu me dis qu'il n'a pas mangé, peut-être que la chale est sur une birria ou pour une cavette, on fait la bracha. A filoachi, ça fait que bracha le hakel, velo yevarech. On ne fait pas de bracha dans ce cas-là, ça fait que brachot le hakel. Et on n'a pas le droit non plus de répondre Amen après une bracha levatala, parce que ce n'est pas pire qu'un tino qui est maskir Hashem derrière les moudos, qui n'a pas fait de issour dans ce cas-là, et malgré tout, on ne répond pas. A filoachi, elle n'a pas amené à charav. Den shem bracha lea, kol sheken, ze de asa issour, de ayot de otsi shem shamayin levatala. Le fait qu'il se prononce le nom d'Hashem levatala. Chalakoubo, donc Bezrat Hashem, on a terminé le Siman Resh Tet Vav, on reprendra au prochain Shiur Bin Neder, le Siman Resh Tet Zayin.